la rancœur, de l'écœurement, un sentiment d'abandon, c'est ce qu'ont ressenti de très nombreux professionnels de santé de terrain. Moins visible que le personnel hospitalier qui était en première ligne pendant toute la crise de la Covid, pourtant, les médecins généralistes, les infirmières libérales et les pharmaciens ont joué un rôle de premier plan pour aider nos concitoyens et les patients. Comment enlever ce goût d'amertume? Et si l'hôpital et la ville travaillaient main dans la main? Docteur Epstein, alors vous êtes médecin généraliste en Moselle. Alors c'est un département qui a drôlement souffert pendant la crise. C'est le deuxième département dans lequel il y a eu la plus forte mortalité après le Haut-Rhin. Et on a pris une claque assez phénoménale et qu'on n'a pas vu venir. Parce que vous étiez, vous, sur le terrain, et vous avez dit, quand on a préparé, que vous avez été, c'est le mot que vous utilisez, des tâcherons. Pourquoi ça ? Quand on a commencé à parler un peu... on a commencé à voir venir des choses un peu curieuses. On nous avait dit que la grippe saisonnière cette année était un peu clémente, et là, on a commencé à voir janvier, février, arriver dans nos consultations des choses un peu bizarres, des gros syndromes grippaux. Et surtout, on a commencé à voir mourir des gens. Mais sans raison particulière. Il m'est arrivé un truc en 25 ans que j'ai jamais fait, j'ai fait deux constats de décès le même jour. Alors qu'on ne nous a absolument pas préparé à ça, pour commencer. Deuxièmement, on ne nous a absolument pas équipés, c'est-à-dire que moi j'ai pu commencer à travailler simplement parce qu'il me restait encore quelques masques de la dotation de Roselyne Bachelot. Aucune consigne par rapport à nos patients. Elisabeth Jouan-Horst, vous êtes infirmière dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. Ce sentiment d'abandon, vous l'avez reçu comme ça ? Un sentiment d'abandon complet, parce que surtout sur les Alpes-Maritimes, sauf exception, nous avons été les seuls professionnels de santé à aller au chevet du patient. C'est-à-dire que les consultations se faisaient beaucoup en téléconsultation, les kinés ne venaient plus à domicile, sauf exception, il n'y avait plus que nous à domicile. Donc on a eu une charge énorme et sans matériel. Alors quand nous avons demandé du matériel à nos instances, la seule chose qu'on a eue, c'est une liste de fournisseurs de matériel qui, eux, ne pouvaient pas nous livrer parce qu'ils n'avaient plus rien. La seule chose qui a été très positive, ça a été l'entraide de nos maires des communes de la CPTS ont vraiment été très efficaces. Spontanément, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient avoir comme matériel à notre disposition. Ils ont fait des distributions pour tous les professionnels de santé, que ce soit des masques, du sérum hydroalcoolique, parce que vous savez qu'il n'en y avait plus à une époque, on n'en trouvait plus nulle part. Les pharmaciens n'avaient pas le droit d'en fabriquer. Alors, on va se projeter dans le futur pour voir comment on prépare. Tout à fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de demander aux hospitaliers. On a la chance d'avoir Gérald Kirzek. Vous êtes urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, à la PHP. Vous comprenez, vous, les hospitaliers, ce sentiment d'abandon comme ça ? On le comprend, on l'a vu avec un mur entre les deux, et ce mur, alors que ce n'était pas censé être un mur, s'appelle le SAMU Centre 15, qui a un rôle de régulation, et là, l'impression qu'on a eue, c'est que finalement, le SAMU Centre 15 avait plus un rôle de filtre pour éviter que les gens n'arrivent, que les patients n'arrivent à l'hôpital, et finalement, au lieu de réguler, d'aider, de tendre la main aux collègues libéraux, médecins, infirmières, etc., ou les EHPAD, parce qu'on en parlera, eh bien, beaucoup disaient, on n'arrive pas à passer la barrière du SAMU. Et en fait, c'était perçu comme étant une barrière avec des messages qui étaient des messages surtout restez chez vous, appelez le 15 uniquement en cas de symptômes graves. Et donc du coup, les gens, il y avait deux catégories finalement. Il y avait les patients très graves qui allaient en réanimation, les patients pas graves du tout qui étaient chez eux, et on leur disait surtout vous restez chez eux. Et qu'entre les deux, il y a une espèce d'angle mort où des patients, probablement des patients qu'on aurait dû hospitaliser, qu'on aurait dû médicaliser, qu'on aurait dû orientés sur les services d'urgence, eh bien ces gens-là, d'angle mort, sont passés véritablement à de véritables morts. C'est-à-dire, je pense qu'on a perdu des vies à cause de ça, à cause de ce message qui était assez binaire. Restez chez vous ou c'est le SAMU Centre 15 uniquement. Soit tout va bien, soit tout va très mal. Soit tout va très mal et trop tard. Et donc le SAMU, là, très clairement, pour l'avenir, là aussi, il va falloir repenser un peu son organisation. Nous, le standard du SAMU, par exemple, à Paris, dès les premiers temps, il a lâché pendant 2-3 heures. Il n'y avait plus personne qui ne pouvait répondre. C'est-à-dire techniquement, il n'a pas supporté la charge. Et après, surtention. Beaucoup surtension. Et après, beaucoup ont dit dans les EHPAD, mais ils ne nous répondaient pas. Ou alors, les régulateurs nous disaient, non, il n'y a plus de place, surtout restez chez vous. Justement, pour les EHPAD, ça m'intéresse d'avoir l'avis du professeur Olivier Guérin. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Pour les EHPAD, il faut se rendre compte qu'on a dû, depuis l'hôpital, on en a créé 357 en France, qu'on appelle les hotlines gériatriques avec des gériatres référents de territoire, prendre un lead d'organisation territoriale, un leadership d'organisation territoriale, et ce n'était pas de l'hospitalocentrisme, c'est tout simplement que personne ne faisait ce travail-là
vis-à-vis des EHPAD et qu'il a fallu que l'hôpital s'organise pour à la fois gérer des flux d'hospitalisation et faire de la concertation avec les collègues médecins coordonnateurs notamment, qui étaient complètement isolés dans le bon choix pour tel ou tel résident de l'hospitalisation ou pas, parce que nous, on avait la vision à la fois de notre offre de soins et puis une expertise que l'on pouvait amener auprès des collègues pour le meilleur algorithme décisionnel et une décision partagée. Alors, docteur Jean-Paul Ortiz, vous êtes président de la Confédération des syndicats des médecins de France. On entend finalement un système qui a vécu en parallèle des médecins, une médecine de ville, devrais-je dire, une médecine de ville qui a été impliquée trop tard, sans protection. On a vu des cas dramatiques. Vous avez perdu des médecins généralistes. Votre sentiment par rapport à ce système en parallèle, c'est quoi ? Deux réflexions. La première, c'est que nous venons d'assister à une crise du Covid où la prise en charge et l'accès au système de soins a été centré sur l'hôpital. On a centré la protection des soignants sur l'hôpital, ce qui était légitime puisque c'est là où il y avait des cas graves. On a centré le diagnostic sur l'hôpital et à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé pour la médecine de ville, les médecins libéraux, les infirmiers et infirmières de ville, etc. On est monté au front parce que c'est notre métier. On n'a pas réfléchi. Vocation. On ne s'est pas posé la question de savoir si on avait un masque, si on n'avait pas de masque, si on était protégé ou pas. On a soigné nos patients avec des conséquences dramatiques. On aurait pu éviter ça. Une trentaine de médecins libéraux sont morts au front. On a un peu l'impression, on a parlé de ce système en parallèle. Comment ça se fait qu'on n'ait pas pensé à cette médecine de ville, à tous ces professionnels en ville ? Il y a une suspicion ? Parce qu'au quotidien, ça fonctionne en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, ça a acutisé, ça a accéléré, ça a mis en lumière ce qui se fait au quotidien. Et d'ailleurs, dans les solutions... On travaille en silo. Oui, on travaille complètement en silo avec un système de médecine de ville et un système hospitalier. Mais par exemple, on sait très bien que nous, depuis deux mois, ce n'est plus les PCR qui nous intéressaient. C'était des scanners. On fait des scanners injectés. Ça, c'est disponible en ville avec un maillage territorial, sauf que, encore une fois, les radiologues libéraux n'ont pas été impliqués dans le dispositif. Donc, dans les solutions, on imaginerait très bien que si une deuxième vague, etc., arrivait, il faudrait impliquer les médecins radiologues. D'autant, et c'est le paradoxe, que beaucoup de cliniques, notamment, étaient soi-disant réquisitionnées pour arrêter leur activité, mais n'étaient pas mises à contribution pour pouvoir prendre les malades de Covid aussi. Je peux vous parler d'un exemple qui était typique dans mon établissement de soins privés. On a un service d'urgence qui est reconnu, validé, où on a une grosse activité d'urgence. On a séparé les filières Covid, non-Covid pendant toute cette période. Les patients ont eu le scanner immédiatement, donc on avait un diagnostic facilité. On a vidé complètement tout un étage de la clinique en moins de 48 heures. On a upgradé nos soins continus en réanimation. On n'a pas vu un seul patient hospitalisé Covid. Alors ça veut dire que vous aviez un établissement vide, réquisitionné, oui. Et oui. Qui n'était pas utilisé. Absolument.